le parc, trois petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Si le mignon petit ours construit sa maison faite de paille et non de pierre, il travailla si dur qu'il fit une sieste. Mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh, ce type est débile. Dans le parc, il y avait deux petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Et le deuxième petit ours, je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste. Mais le loup la réveilla avec un rap rap rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Juste un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Dit le troisième petit ours, ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. De mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé, mais en vain. Les trois petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. C'est l'heure. Je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Je vais faire les chaperons et bingo, vous pouvez tout aussi. Ok. Et papa fera les chasseurs, ok papa? Ok, on y va. Et où voir une petite fille? Oh oui. Oui, tout en rouge, une petite fille. Oh oui. Elle est allée voir mamie qui n'est quitté plus son lit. Et son petit chien dans les bois l'a suivi. Oh oui. Maintenant, souviens-toi de que je dis. Directement chez mamie et sur le chemin, ne parle pas à n'importe qui. Oui, maman! Les chaperons apportent des friandises. Oh oui. Parce que mamie aime les gourmandises. Oh oui. Mais quoi dans les bois, le méchant loup la voit et lui demande où va-t-on de ses oh non, oh non, oh non! Non. Je n'ai Je ne veux pas être mal élevé. Nous allons chez mamie pour la gâter. Oh boy. La pauvre est malade, je dois me dépêcher. Oh boy. Les chaperons fioraient voir le méchant loup se dit. Oui, je vais la suivre, je dois l'avouer. Oh non. La
la forêt est comme ma maison. J'y serai avant le chaperon. Et nous pas fausser chez mamie. Oh non, oh non. Entrez dans les placards et restez ici. Oh non, oh non. Avec mamie enfermée, s'y glisser au lit. Je suis une pauvre dame malade, le loup a-t-il dit. Oh non, oh non, oh non. Qui est là? C'est moi, mamie. Oh, oh, entre ma chérie. Bonjour, mamie. Le chaperon à naîtron. Oh oui, oh oui. J'ai cru entendre un cri strident. Oh non, oh non. C'était quoi ça? Demande la petite fille. Rien, viens par là, lui dit-il. Oh non, oh non, oh non. Oups. Oh oh. Tu as des grandes oreilles, mamie. Oui, oh oui. Et toi, des grands yeux, mamie. Oh oui, oh oui. Mais quels sont grands tes dents, mamie? Oui, j'ai de la chance. Oh non. Oh oui, c'est mieux pour te passer, ma fille. Bingo! Il y a le petit chaperon. Oh non, oh non. Puis un chasseur entendit le son. Oh non, oh non. Il a défoncé la porte et attrapé cette bête pour l'assommer d'un coup sur la tête. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu es un vilain loup. Pars et ne reviens jamais ici. Libérer tous les mondes. Oh oui, oh oui. Et les chaperons a dit: je vous en remercie. Oh oui, oh oui. Tout est de ma faute. Dites-le doucement. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit maman. Oh oui, oh oui, oh oui. C'était un peu effrayant. Mais tout s'est bien terminé à la fin, vous n'y trouvez pas? Elle aurait dû écouter sa maman. Et l'élu est parti, puis n'est jamais, jamais revenu. Hourra! Il y a bien longtemps, un cordonnier était triste. Il était très, très fort. Personne ne venait. Ma chère, je ne sais pas ce que nous allons faire. Il y a si longtemps, je n'ai pas vendu de chaussures. Tu vois ce cuir là-bas? C'est juste assez pour faire une paire. Le cordonnier s'est assis et s'est tenu la tête. Viens mon cher, allons nous coucher. Mais pendant que le cordonnier dormait, deux lutins se sont glissés dans sa boutique. Les filles sont magiques. Ma chère, elles sont rêves. Ce sont les plus belles chaussures que j'ai jamais vues. Mets-les dans la vitrine. Voyons si elles se vendent. Un homme riche arriva. Eh bien, eh bien, eh bien, acceptez-vous 10 pièces d'or. Le cordonnier a souri et a crié. Vendu. Achetons encore du cuir et du fil. Voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Pendant que le cordonnier dormait, les elfes se sont glissés dans la boutique. Les filles sont magiques, coucou, coucou. Les marteaux magiques font top, top, top. Les épines magiques, cous, cous, cous. Pendant que le cordonnier dort et dans son vieux bonnet de nuit. Au matin, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait des terres de toutes les tailles. Mets-les dans la boutique, voyons si elles se vendent. Et oui, elles se sont très bien vendues. Achetons plus de cuir et de fil et voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Mais à ton avis, qui fabrique ces chaussures? J'ai une idée. Voyons ce que nous allons faire. Ce soir, nous ferons semblant de dormir. Puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit se
que leurs hommes soient bénis. Les vêtements de ces pauvres elfes étaient pleins de trous. Je sais ce qu'il faut faire. Nous allons le faire des vêtements, juste toi et moi. Achetons du tissu et du fil. Et des gâteaux. Et du fromage. Et du beurre. Et de pain. Et toute la journée, ils ont cousu. Et cousu et ont fait de jolis vêtements au lutin. Ce soir, nous ferons semblant de dormir. Puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit sera bien noire, les lutins reviendront. Les elfes n'en croyaient pas leurs yeux. Les vêtements étaient à la bonne taille. Ils empilèrent la nourriture dans leurs assiettes et mangèrent. Mes chaussures sont célèbres dans la ville. Les gens viennent du monde entier. Nous serions encore pauvres, c'est sûr, si ces bons lutins ne nous aident pas. Et encore certaines nuits, du moins c'est ceux qui semblent dans les rêves heureux du cantonnier. Les ciseaux magiques. C'était plus drôle que l'école. Je m'arrête ici. Quel régal nous avons ici. Une marionnette sans fil, oh oui. Si je le vole maintenant, je gagnerai d'argent. Bon garçon, j'irai, pardon. Pinocchio, alors, où vas-tu? Je vais à l'institut. Et pourquoi vas-tu là-bas? Ce n'est pas votre habitat. Tu sais, les pays des jouets nous attendent. Ne soyez pas idiot. Vous n'irez plus jamais à l'école. Jusqu'à la nuit. Oui, une glace à manger. Je ne me sens pas bien, tu sais. Je me sens vraiment bizarre. Je me sens différent. Et sur sa tête, ils sont apparus des oreilles d'âne. La fée par magie était retournée. Pouf, oreille partie. Allez rentrer à la maison. Allez, cours, mon trésor. Geppetto. Pinocchio. Tu sais, je ne les verrai plus comme tu m'as connu. Ils se sont embrassés, mais une baleine les a mangés. Demande à Pinocchio. Que pouvons-nous faire? Il allumait un feu, la baleine éternuait, donc ils sont sortis.
Demande-moi, Gepetto, je vais te sauver. Sur un plage, ils sont arrivés, c'est né sauf il était. Pinocchio, Pinocchio, tu as été très bon. Je vais exprimer votre souhait, vous ne serez pas en bois. Regarde-toi, Pinocchio, vous n'êtes plus en jeu. Nous sommes une famille, maintenant je suis réel. Oh, 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 Pinocchio. Holly, peux-tu faire la vaisselle, s'il te plaît? Désolée, maman, je vais jouer dehors. Holly, tu peux nous aider? Désolée, les cars, mais je vais au parc. Holly! Tu m'aides à ramasser les feuilles. Désolé, papa, je sors avec des amis. Un instant, ma petite cigale. Cigale? Holly, laisse-moi te raconter une histoire. Au mois de mai, les fourmis qu'on fait ont travaillé sous le soleil plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit... Non, pas aujourd'hui. Au mois de juin, les fourmis qu'on fait ont travaillé jour et nuit plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit, d'abord je chante ici. Les fourmis qu'on fait sous la pluie, le soleil a travaillé. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit, désolée, je dois voler. Au mois d'août, les fourmis qu'on fait ont travaillé, elles n'ont jamais joué. Une fourmi à la cigale a dit, la cigale a dit, non, jamais, jamais. Au mois de septembre, les fourmis qu'on fait ont récolté les graines sans jamais s'arrêter. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit, non, non. Allez, allez, allez! Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit, peut-être dans mon moment. Au mois de novembre, les fourmis qu'on fait, les légumes ont récolté plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit, je joue encore, désolé. Au mois de décembre, les fourmis qu'on fait ont terminé et s'amusent plus que jamais. La cigale alors a dit, je peux entrer. Les petits fourmis ont alors réfléchi. Et la cigale a dit, non, non, jamais. Veux-tu nous aider dans l'année à venir? Oui, je le promets, je le parais. Une fourmi à la cigale a dit, entre, entre, oui. Et chante une chanson avec ta mandoline. Maman, je te remercie. Je promets d'être un meilleur cigale la prochaine fois.
Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite, est parti de suite, est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt, mais elle croisa le loup. Petite, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite, s'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot, le méchant loup dit, et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as! Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Au mieux t'entends, ma petite. Mon Dieu, quel grand yeux tu as! Grand yeux tu as, grand yeux tu as. Grand-mère, quel grand yeux tu as! Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quel grand dent tu as! Quel grand dent tu as! Quel grand dent tu as! Oh grand-mère, quel grand dent tu as! Les plus grandes pour te manger, il dit. Elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière, derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 et ne reviens jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewey. Mouah ! Bonne nuit. Il était une fois trois ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude! Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un? Maison. Dans la cuisine, elle vit trois bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe!
goûter au bol de papa ours. Burk, c'est beaucoup trop chaud. Elle a goûté au bol de maman ours. Burk, c'est beaucoup trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop beau. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Au! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol, dit la maman ours. Qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Zekeleriko Magic, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pif, paf, pof, pom, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pif, paf, fiddly dum, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'en château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Oulala! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pi-fi-fo-foum, qu'est-ce que nous là? Niam-niam-niam, pi-fi-fiddly-dum,
Je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit de l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupid poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie harpe dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Fifi-fo-fou, mon géant n'est jamais rassasié. Fifi, fais les dents d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, ça assis là la chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Fifi-fo-fo, Jack s'est libéré du méchant géant. Fifi, fais de les dames, les harpes et la poule l'accompagnent gagnement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rochetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on vit alors grand fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fifi-fo-fo, Jack et sa maman sont sauvés. Fifi, fais de les dames, allez c'est l'heure du goûter. Joey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormi. Et pendant son sommeil, au vent et de petites souris. Le nord a permis garder le lion avec sa queue. Désolé, monsieur lion. Et elle brise d'une part bleue. Le lion, mécontent, s'empara de l'introu. Ah ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout croûte. S'il vous plaît, monsieur lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu vas vraiment me faire croire que tu as petite souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, monsieur Léon, je vous l'ai dit, je suis très très gentille. Oh oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce et je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, monsieur Léon, je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah, très bien. Petite souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'un froid. Son rougissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y, par là. Grondant et
Après ces débattants, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria « Aidez-moi !» Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. « Vous m'avez sauvé, mes petits !» « On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre !» Au grand rosier, au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. À Lyon et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly, on sera toujours là, les uns pour les autres. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, 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 il cria au loup à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. Allez, au loup, un loup attaque mouton, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas des loups, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste une farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Vous voyez vos têtes. Le lendemain, il a une idée, une idée, une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, trop marrant, il cria au loup à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez, au loup. Mes pauvres moutons, au secours! Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Une fois des blues meurent le villageois, mais Candy ne vit rien, il comptoir de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas aux poules. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient hébernés de fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, son troupeau, son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours, au loup, mes pauvres moutons, au secours. Aidez-moi, aidez-moi, cette fois il est là, il est là, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils croirent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en ces jours, ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Les villageois vont pour l'écouter. Et il leur dit: pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yay! Il était une fois, une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course, juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent.
Il a presque raté son départ quand ils ont dit portez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera, il s'arrête pour dormir. Alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, l'a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hooray. Edwige, j'entends le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Oh non, fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important. Et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Les lions et la souris, les lions et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Les lions et la souris, les lions et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Les lions et la souris, les lions et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, oh, tu m'as fait rire. Alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie. Mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Les lions et la souris, les lions et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Les lions et la souris, les lions et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: j'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il était une fois l'histoire des trois boucs. Voulant traverser la rivière, il n'y avait pas de bateau. Regarde là-bas, il y a un pont, tu vois.
traverser les collines où l'herbe pousse librement. Mais... Le petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Mais... Je vais te gober. Dit le troll de la rivière, le petit bouc dit. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit. Ah ok, alors va-t'en. Le deuxième petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Mais... Je vais te gober. Dit le troll de la rivière, le petit bouc dit. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit. Ah ok, alors va-t'en. Mais... Le plus grand bouc a commencé à traverser. Trip, trap, trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober. Dit le troll de la rivière. Le bouc le regarde, fait un bruit avec sa gorge. Il charge ses cornes et renverse le troll. Les trois boucs vivaient alors toujours heureux. Mais... Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai, je soufflerai, je soufflerai votre maison. Hef, pef, pef. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai, je soufflerai, je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton, menton, menton. Je soufflerai, je soufflerai, je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Mais alors, il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques.
petit chaperon rouge à travers les bois bas avec un panier dans les mains. Elle s'arrête pour cueillir des fleurs sur son chemin. Un loup la voit et lui demande: hey, petite fille, où vas-tu maintenant? Hey, kids! Les fourmis vont labourer les champs. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis vont labourer les champs. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis vont labourer les champs. La sauterelle tournée sur la roue. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont planter au printemps. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis vont planter au printemps. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis vont planter au printemps. La sauterelle ne fait rien. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont creuser au soleil. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis vont creuser au soleil. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis creusent au soleil. La sauterelle danse pour s'amuser. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis récoltent à l'automne. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis récoltent à l'automne. Aïe ho, aïe ho. Les fourmis l'hiver arrive, la sauterelle n'a pas une mienne. Et tout ce qu'elle sait faire,
la sauterelle a froid et triste. Hi ho, hi ho. La sauterelle a froid et triste. Hi ho, hi ho. Elle n'a jamais aimé le faire et maintenant se sent très mal. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho. Dit la sauterelle avec un sourire. Je ne manquerai pas de travailler. Et les fourmis crient toutes: Hourra, 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 hourra. Il était une fois trois ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud, grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc, 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 pas de réponse. Alors Boucle d'or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de trois tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut. Juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'or monta à l'étage, elle vit trois jolies dans lesquelles elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'or s'est endormie, trois ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman, quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé, ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé, elle est cassée, elle est cassée. À l'étage, dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman, quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé, et voilà elle est là, et voilà elle est là. Boucle d'or se réveilla et vit trois ours qui la regardaient. Elle a crié, sautée hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'or est partie pour toujours. Nos trois ours se grattent la tête, réparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des trois ours. Il était une fois un grand vieux roi, stupide c'était tu sais. Dans les miroirs il s'est admiré, ne s'est jamais arrêté. Et
étaient venus deux ouais. Un jour aussi, deux beaux tailleurs sont arrivés en ville. Intelligents et audacieux, voulaient voler le roi. Un sac d'or, oui, c'est ça. Cher roi, maintenant en robe magique, nous allons vous faire. Fume magique, nous utiliserons, que les imbéciles ne verront pas. Ils ne verront pas. Je suis pas bête, dites le roi. Combien ça coûtera? Un grand sac d'or, ils lui ont dit. Cousez-le s'il vous plaît, cousez-le s'il vous plaît. Ils ont pris l'or et commencé au travail pour faire semblant. Ils ont coupé et enfilé, ils ont fait semblant de travailler. Semblant de travailler. La robe est prête, ils sont dit. Vous voyez comme la robe est belle. Je ne suis pas bête, dites le roi. Il est aussi beau que moi. Il est beau que moi. Bon roi, montrez la robe, c'est de l'air. Les gens vous attendent. Je le ferai, dites le roi. Je vais organiser une fête. Je vais organiser une fête. Soufflez de la trompette. Écoutez, chers notre gens, les rois en costume enchanté que certains ne voient pas, les imbéciles ne voient pas. Oui, la grande fête a commencé, les trompettes ont sonné. Les rois insensés sortis plus tard avec seulement sa culotte. Avec seulement sa culotte. Les gens observaient la robe, regardaient, puis ils ont crié. Nous sommes intelligents. Il est si beau que le roi. Il est si beau que le roi. Les gens ont ensuite applaudi. Le vieux roi était là. Regarde, le roi ne porte rien. Un enfant a alors crié. Un enfant a dit très bien. Le jeune regarde, puis dans les rois, il a compris pourquoi. La magie n'était pas si géniale, c'est trop balor non plus. Ils sont tout ris, t'as vu? Les rois se regardera alors et vinu qu'il était. Oh non! Mais s'il a découvert qu'il était, jusqu'il était, jusqu'il était. Oh, mon cher moi. Bonne nuit.